encore une intro fulgurante pour un jeu mythique. Le jeu qui a débuté, qui a... là où tout a commencé avec les bouts de carré. Donc bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasmaï, on est parti pour un vidéo test de Dragon Ball Z Budokai 1, le premier du nom, avec le cochon et l'espèce de chat volant, je ne sais plus leur nom. Je crois que c'est Ordin, le cochon. Voilà, trêve de plaisanterie, nous allons montrer voilà après le contenu. Et donc un mode histoire comme Budokai 2, parce que je pense que je mettrai vidéo test de Budokai 2 avant Budokai 1. Le duel, ça c'est assez classique, championnat du monde, j'aurai pas besoin de vous montrer de championnat du monde comme ça, parce que c'est vraiment chiant. Là l'entraînement, même si là le mode entraînement du power, il est très classique hein, contrairement au mode entraînement de Budokai 2. Dans Budokai 2 on pouvait vraiment s'entraîner, alors que là bah, Budokai 1 c'est juste une IA qui ne bouge pas, voilà. Donc c'est pas tip top. Et il y a éditer technique, voilà, c'est changer les techniques à modifier sur les personnages. Quand on clique sur modif, le gros problème dans ce Budokai 1, c'est que quand on met les personnages, quand on clique sur un perso, enfin je vous montrerai ça, mais quand on clique sur un perso en modifié, si on va, si on clique sur normal ou modifié, voilà, je galère, et bien normal ça nous met bah, le technique classique, enfin, ça nous met carrément sans Goku en Super Saiyan quand même, en normal, donc c'est pas rien. Donc on débloque normalement assez tardivement dans le mode histoire sans Goku Super Saiyan, je dirais. Au moment où il y a Freezer, quoi. Monsieur Satan, la classe internationale, et comme vous pouvez voir, il y a une vingtaine de persos, c'est assez. C'est un bon casting, je dirais, enfin, pour le début de cette saga mythique. Et voilà, quand on met en mode modif, voilà, ça sélectionne direct le personnage. Ça nous demande pas après de modifier les techniques et tout. On peut pas. Contrairement à Budokai 2. Donc voilà, c'est. Petite déception, mais j'ai envie de dire, en même temps, c'est le premier Budokai, ils n'avaient pas encore instauré ce système. Et donc on peut changer les techniques que dans... bah, éditer les techniques. Voilà, tout simplement. Dans le bazar technique, je vais vous montrer. C'est Mister Popo, super nom, magnifique, hein, qui nous vend des capsules. Le problème, c'est que c'est tellement mal foutu que c'est bah, c'est du hasard, en fait. Et on ne sait pas quelles capsules on va acheter. Et la plupart du temps, on tombe sur les mêmes capsules. Contrairement à Budokai 2, où quand on tombe sur les mêmes capsules, bah, ça nous dit avant de l'acheter, quoi. Alors que là, vous voyez, voilà, il y a supplémentaire, capacité, physique, soutien, hasard et recommandé, voilà. Il y a juste dans recommandé où on sait quelle capacité on gagne. C'est grenade lumière, donc on fait Y et on voit qu'on l'a déjà. Il n'y a pas d'issue, meurs. C'est qui dit ça? Seul Piccolo peut le faire. Voilà, c'est un peu pourri. Et sinon la liste des techniques, bah là c'est pour regarder toutes les techniques qu'on a, débloquer des personnages. Bien sûr sans Goku, ces techniques sont très faciles à débloquer. Sans Gohan c'est plus compliqué, enfin sans Guanado surtout. Voilà, j'ai que Super Saiyan 2 comme je l'ai dit dans Budokai 2. C'est magnifique. Donc je ne peux pas me transformer en Super Saiyan 2, vu que je n'ai pas encore Super Saiyan 1. Il faut avoir Super Saiyan 1 pour pouvoir après se métamorphoser en Super Saiyan 2. Donc voilà, avec Sangwan Ado, j'ai presque rien gagné et pourtant j'ai joué pas mal d'heures sur ce Dragon Ball Z Budokai 1. Même si c'est une sauvegarde assez récente et je dirais que j'avais une sauvegarde avant que j'ai abandonné, je sais plus quand, j'avais peut-être plus de place dans une carte noire donc j'avais supprimé et j'avais remplacé une autre sauvegarde. Et dedans j'avais bah, Sangwan Super Saiyan 1 et 2, j'avais vraiment eu de la chance quoi. Donc ça me fait un peu chier de ne plus l'avoir. La légende de Monsieur Satan en fait c'est le truc qui va être remplacé par le truc de Badidi qui est moins bon je trouve. Le truc de Badidi, bon, c'est des mini-jeux franchement pas très intéressants, je vous ai montré vite fait mais... C'est banal, c'est moyen. Alors que la légende de Monsieur Satan c'est assez épique. Et de toute façon, je vais vous garder la surprise quand on fera...
quand on fera le défi, le let's play défi, ça sera après le mode histoire. Donc je vais vous montrer quand même un poil, ouais, un peu le mode histoire peut-être, ou un petit duel déjà de Vegeta contre Sangoku par exemple, je sais pas. Il n'y a pas encore les fusions, parce que bien sûr il n'y a pas la saga debout. Ça a des Saiyans jusqu'à Cell. Voilà, Cell qu'on voit ici. Ce qui est très bien dans ce Budokai 1, bah, c'est que c'est extrêmement bien repris du manga. Tellement bien repris que, voilà, on a Cell en toute première forme et Freezer en toute première forme aussi. Je sais pas pourquoi il l'appelle Freeza. Je préfère dire Freezer. Mais bref, voilà. Bon, ce qui est dommage par contre, c'est qu'on n'a pas la deuxième forme de Freezer ni la troisième forme. On passe de Freezer tout petit comme ça à tout de suite Freezer forme finale. Quoi. Et après, Freezer à 100%. Tiens, allez, je prends Freezer en mode normal, puisque je crois pas que j'ai débloqué beaucoup de techniques avec Freezer. Les techniques sont très très difficiles à débloquer hein, dans ce Budokai 1. Tiens, contre Yamcha, hein, ça va être la petite blague du moment. Je crois que je suis en mode difficile. Je vous avais dit que j'avais un décalage pas possible dans Budokai 1. Et ben là, j'ai l'impression que je l'ai plus. C'est très étrange. Peut-être que j'avais mal branché l'autre fois mon game capture, je sais pas. Ça arrive une fois sur deux, ce décalage. Donc là, c'est bien, j'ai plus de décalage et c'est cool. C'est good. Il est prêt pour jouer hyper bien. Voilà, temps de chargement, toujours on peut s'amuser un peu avec le temps de chargement, avec le radar. Je pense que je vous mettrai dans la description aussi mon premier vidéo test avec Fireflav sur Budokai 1. Mais bon, j'ai préféré refaire un vidéo test de Budokai 1 parce que bon, la qualité était ignoble. Mais bon, je vous conseille de la regarder quand même, elle était pas mal, on expliquait plutôt bien. Mais je dirais que c'est pas le vidéo test le plus catastrophique qu'on a fait. Silent Hill par exemple, c'était pas tip top. Surtout que je vois pas pourquoi on a fait un vidéo test de Silent Hill alors qu'on connaissait presque pas le jeu. Merde. Purée, mais et je me fais défoncer par Yamcha quand même. Ça fait pitié. C'est quoi ça? Je suis le maître ici, je fais le rayon de la mort. Ce qui est bien avec Freezer, c'est qu'on peut se téléporter au lieu de faire des pas de côté. Et donc ça, il y a beaucoup d'avantages quand même. Là, prends ça. Je suis plus fort que toi là. Je suis en première forme là en même temps, c'est pour ça là, regarde. Là je suis un beau gosse. Bon, ce qui est marrant par contre, c'est que je trouve qu'il est un peu trop musclé, hein, je trouve, pour être simplement en forme finale. Normalement il est comme ça quand il est à 100%. Purée. Un truc d'anthologie. Yamcha a battu Freezer en forme finale. Il n'y a plus besoin de Sangoku en Super Saiyan là. C'est bon, on a Yamcha. La bouse ultime qui a perdu contre un Cyberman quand même. Un Cyberman qui s'est suicidé sur Yamcha. Magnifique. Ah d'ailleurs, ça a été tellement bien repris que je vais vous montrer une mode histoire. Là j'ai joué comme une bouse, j'ai quand même perdu contre Yamcha, voilà. Honte à moi, mais je vais me rattraper dans le mode histoire. Voilà, il y a... Au tout départ, on peut pas choisir l'histoire comme ça. C'est... Ça nous met tout de suite, si on veut charger la partie directe ou faire une nouvelle partie, je crois. Et quand on charge, je sais pas, c'est la dernière fois où on a fini, par exemple, je sais pas, la dernière fois on a fait Vegeta Super Saiyan, voilà, par exemple. Donc voilà, vous voyez qu'il y a trois sagas spéciales. Enfin, il y a trois sagas. Il y a les Saiyans, Namekan, enfin Namek, et les Cyborgs. Personnellement, moi... La saga que je préfère, c'est avec Freezer. Ah. Sur Namek. Je trouve ça tellement épique quand Sangoku se transforme en Super Saiyan pour la première fois. Et surtout, j'aimais bien aussi la planète Namek. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, Destination à Namek, par exemple, je vais vous montrer. Franchement, c'est très fidèle à l'animé, hein, les cutscenes. On a vraiment l'impression de regarder l'animé. Bon, avec un moteur un peu vieillissant, je vous l'accorde. C'est-à-dire quand on compare avec Naruto, Ninja, Ultime, Storm, machin bidule chouette, Burst Limit de la mort qui tue tout, 3 sur PC, c'est sûr que c'est un peu différent. Et voilà, quand même, ils ont modélisé Bulma, c'est exceptionnel déjà. Une modélisation de Bulma en 3D.
Ouais, comme quoi les développeurs, des fois ils modélisaient des persos en 3D. C'était pas juste des combattants, c'était, ça pouvait être juste des simples persos qu'on voit juste dans une cutscene. Ah, une grosse honte, ils ont pas mis Tortue Géniale. Alors combattant. C'est nul. Bon, sinon comme vous pouvez le voir, la version GameCube est bien plus belle que la version PS2, en tout cas pour la modélisation des personnages. Sinon pour ce qui est une modélisation pour les environnements, je crois que c'est la même chose. C'est à peu près la même chose. Puisque la version GameCube est sortie un an après la version PS2. Truc comme ça, en tout cas la version PS2 est sortie en 2002 et la version GameCube 2003. Mais la plupart des jeux de GameCube sont sortis plus tard en fait. Mais ils sont plus beaux. Ils sont mieux finis que sur PS2. Bon, y en avait carrément qui disaient que la PS2 était moins puissante qu'une Dreamcast, faut pas déconner non plus. La Dreamcast c'est la console 128 bits la moins puissante. Voilà. Je vais être clair là-dessus. Parce qu'il y avait un petit... comment ça s'appelle déjà? Ah mince! C'est quoi déjà ce jeu? En même temps que Sonic Adventures, attends. Bon, je vais essayer de combattre... Et Vegeta! Bon là c'est quand il s'entraîne. Bien sûr ça c'est un truc inédit, normalement il n'y a pas Vegeta. Dans le sas d'entraînement. Merde. Allez, faut renvoyer ses boules 12 fois. Voilà, quelques petites missions sympathiques comme ça dans le mode histoire. Je vous ai pas d'ailleurs montré ça, je crois, je sais plus, dans le premier vidéo test. Moi, je me fais un peu défoncer. Purée, mais je savais pas qu'il allait le renvoyer là, cet enfoiré. Excusez pour le langage magnifique. Bon, allez. Voilà, réussi. C'est une victoire du grand Sangoku. Il continue toujours à me balancer des Kikoro. Bon, on s'en fout. Et là voilà, on débloque comme ça des techniques. Tu vois qu'on finit une mission dans le mode histoire. Et là pour une fois, je suis tombé sur une bonne technique. Un truc nouveau, enfin c'est pas une technique, mais c'est... Je crois que c'était une veste de défense, un truc de genre. Enfin vous verrez, vous avez peut-être vu ça, vous. Moi j'ai pas fait gaffe là. Voilà, là, c'est le moment le plus catastrophique. C'est quand Kaio révèle à Sangoku que Freezer, c'est pas n'importe qui. Freezer, ne t'approche pas de lui. D'accord, mais de toute façon, ça ne me fera pas de mal d'accroître ma puissance et de le défoncer en Super Saiyajin. Ah. On va passer ça. Donc oui, je ne me souviens plus du nom. Ah oui, voilà, Shenmue, je crois, un truc comme ça. Ouais. Pour ceux qui adorent ce jeu, excusez-moi. Un jeu culte, d'après la plupart des gamers. Que moi, je ne l'ai pas connu. Voilà, ils disent que voilà, Dreamcast, c'était très impressionnant de voir ça, quoi. Même si, bon, quand je regarde, c'est impressionnant pour l'époque. Bon, quand tu mets un petit Resident Evil 4 là sur GameCube, ça explose totalement. Là. Bon, faut dire, en même temps, on était à l'époque. Bon, il y en a carrément qui disent. Hooper, par exemple, il a dit purée, on se croit après sur PS3. Oula, ça va un peu loin. Ah mince, mince. Bon, là, ce qu'il faut faire, voilà des bras de fer. Donc, appuyer sur A, B, Y et X. En même temps, comme un gros malade, plein de fois. Et on le bat, mais au bout d'un moment, il va être imbattable, vous allez voir. C'est d'ailleurs le problème de l'IA, qui est imbattable à ce niveau-là, au bras de fer, au bout d'un moment, c'est n'importe quoi. Je sais pas ce qu'ils ont fumé, hein, les développeurs. D'ailleurs, on a une phase d'invulnérabilité quand on fait une grosse attaque comme ça. Je vous en avais pas parlé dans Budokai 2, mais si, il y a ça. Aussi, dans Budokai 2. Et voilà, je trouve que les personnages là sont extrêmement bien modélisés, surtout pour un jeu de 2003. C'est vraiment fidèle à l'anime là, franchement à 100%.
La modélisation est vraiment parfaite, quoi. Pour un jeu 128 bits, ça la classe. Il manque plus que les décors qui soient beaux et voilà. Parce que les décors sont classiques. On va un peu défoncer notre pote Vegeta, même si là j'ai l'impression que c'est lui qui me défonce. Et oui. Bon, je crois que je vais perdre. Le dernier coup, c'est le plus dur. Quel combat acharné. Ah mais j'ai gagné. Quel beau gosse, Sangoku. Et les coups sont vraiment les mêmes que Budokai 2. Voilà. C'est vraiment les mêmes que Budokai 2. Voilà, très fidèle à l'animé. Vous le voyez. Un très très bon jeu. Moi j'ai surtout acheté pour son mode histoire qui est vraiment très fidèle. Très bien foutu. Franchement, faudrait qu'il refasse un mode histoire comme ça pour un prochain Dragon Ball. Parce que, en tout cas, pour un. Peut-être un Budokai amélioré, je sais pas. Ils en ont fait un, c'est Burst Limit. Donc, c'était une déception totale parce qu'en fait, c'est Budokai 1, mais en graphisme HD, c'est ça. Voilà. Je ne vois point trop l'intérêt, sauf pour les jeunes joueurs qui veulent s'enfiler 70€ dans la tronche. Alors que Budokai 1, tu le trouves d'occasion à 10€ sur PS2. Voilà, c'est complètement con. Bon, par contre, après, sur GameCube, c'est bien plus dur de les trouver. Donc, la GameCube a été enterrée en 2006, voilà. Ça fait un petit peu de temps. Donc, les jeux sont très très rares sur GameCube. Mais bon, sur PS2, pour les joueurs qui ont la PS2, ceux qui ont un peu plus de chance, quoi, qui ont la PS2 avant, eh bien, ils peuvent retrouver le jeu assez facilement d'occasion, voilà. Vu que la PS2 n'est pas complètement éteinte. C'est ça que je veux dire. Parce qu'ils développent encore quelques jeux. Enfin, attendez, le dernier jeu sur PS2, c'était quoi? Genre 2010 ou un truc comme ça. Je sais plus du tout si ça se trouve, ils développent encore quelques jeux, mais bon, peut-être pas très connus. Mais voilà, par exemple, pour vous donner une idée, Budokai Tenkaichi 3 est fait en 2007, voilà, sur PS2. Donc c'est quand même assez récent. Donc voilà, sur ce, bah, je vais me planter contre Vegeta. Donc sur ce, bah, je vais vous dire à la revoyure pour de nouvelles aventures.